On continue sur les mots de toilette. On continue sur les mots de toilette et aujourd'hui on va parler de se laver complètement. Combien de fois est-ce que vous lavez par jour? C'est une question qui est banale, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Parce que certaines personnes trouvent que se laver plusieurs fois par jour, c'est dangereux pour la peau, c'est pas bien du tout. D'autres personnes trouvent que se laver même tous les jours, ce n'est pas bien pour la peau, c'est dangereux, etc., etc. Alors, mon avis sur ça, c'est que moi, je dirais, lavez-vous autant que vous voulez. Oui, oui, lavez-vous autant que vous voulez. Si vous voulez vous laver 10 fois par jour, allez-y, lavez-vous 10 fois par jour. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est une question que vous posez, que vous pouvez vous poser personnellement, mais il n'y a pas de limite à se laver. La seule recommandation que je peux vous donner, c'est que quand vous vous lavez, pensez toujours à essuyer la peau. Ne laissez pas votre peau s'assécher. Et également, pensez à mettre une crème sur la peau. Soit un lait hydratant, ça dépend de ce que vous utilisez. Soit une huile hydratante, ça dépend de ce que vous utilisez. Mais ne laissez pas la peau sèche. Ne laissez pas la peau comme ça sans produit. Voilà un peu la recommandation que je peux vous donner. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, si vous vous rendez compte, les gens qui mettent souvent trop la peau, les mains dans l'eau, ils n'ont pas souvent toujours le réflexe d'essuyer et de mettre la crème dessus. Ce qui fait que l'homme a toujours parfois des problèmes parce que c'est trop dans l'eau tout le temps. Donc la peau, c'est un peu ça. Lavez-vous autant que vous voulez. Après, vous appliquez votre crème. C'est pour vous protéger la peau. Et maintenant, pour certaines personnes aussi, j'aimerais aussi rappeler que vous devez vous laver au moins une fois par jour. Ça au moins, c'est quand même... Le minimum, c'est une fois par jour. Pourquoi? Parce que, comme vous avez suivi par exemple dans la vidéo, je disais que la peau se régénère parce que déjà vous prenez les impuretés de toute la journée, vous cumulez les impuretés. Si vous lavez par exemple le matin, au courant de la journée, vous allez prendre, comment dire, la transpiration. Même si vous ne sortez pas, le corps humain dégage des sécrétions naturelles. Parfois, et puis vous allez par exemple faire pipi, ou je sais pas moi, popo. Après, quand même, il faut penser à se laver, non? Donc, au moins une fois, ce serait bien pour au moins enlever toute impureté qui pourrait être sur votre peau. Ce n'est que ça, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que, au moins, si vous ne voulez pas trop vous laver, lavez-vous au moins une fois, c'est déjà bon. Mais maintenant, si vous avez envie de vous laver, parce que par exemple, vous pouvez transpirer, vous pouvez vous laver et après vous faites peut-être des exercices et vous transpirez, vous avez envie d'évacuer cette transpiration. Ou bien par exemple, quelque chose se verse sur vous, je ne sais pas moi, ou vous êtes mal à l'aise, vous voulez un peu vous décontracter, vous voulez un peu être plus rafraîchi. Donc ça dépend vraiment des raisons, vous pouvez vous laver plusieurs fois, ça dépend. Donc ça par contre, il n'y a pas de limite, mais au moins une fois c'est déjà bon. D'accord? Allez, ça c'était mon avis. Hein. Mais après, les gens ils choisissent de se dire qu'il ne faut pas se laver tous les jours. Ça c'est voilà, c'est au choix. Mais je pense qu'il faut au moins se laver une fois par jour. Pour la simple raison que le corps humain a des sécrétions journalières qui sont, comment dire, inévitables. Et qu'à un moment donné, il faut nettoyer. Au moins pour avoir une certaine propreté et un certain rafraîchissement. Et après, comment dire, la journée recommence, vous voyez un peu. Donc au moins une fois, ce serait bien. Allez, j'espère que cette vidéo s'il vous aura plu et que vous allez me laisser votre commentaire et que vous allez également, qu'est-ce que vous avez fait, partager, abonnez-vous et surtout, laissez-nous votre avis, ça c'est très important. Allez, à la prochaine.